voyez, c'est un carton. Et dans ce carton, il y a des merveilles. Et oui, j'ai commandé depuis quelques temps sur DGM Création. Vous savez très bien, ma petite boutique où je suis d'été. Et là, j'ai commandé. Ce n'est pas dans le cadre d'été. Mais j'ai fait les soldes. J'ai aussi gagné une tombola. Je vous en parlerai au fur et à mesure qu'on découvrira. Et logiquement, tout est là. Tout est là. Alors, les soldes, certes. Pas les soldes, parce que vous allez voir, il y a du nouveau. Et je me frotte les mains parce que j'ai hâte de tout voir. Je n'ai pas encore regardé. Alors, on y va? Allez, venez. Je vous emmène avec moi. Ouh. Alors, on commence par quoi? On commence par ceci pour faire des petits bonhommes. Donc ça va être un atelier avec Arthur, certainement. On va pouvoir faire ceci. Vous savez, c'est des petits... du petit velours quoi, hein, qu'on peut tortillonner. Donc quelques couleurs, ça va être super cool. Ensuite, ça peut recombler. Ah, des anneaux pour pouvoir faire les albums. Alors vous allez voir, il y en a un qui arrive bientôt sous ce format là en présentation. Ensuite, ça je le ferai après. Ça, des distress bien sûr, une un peu bordeaux et l'autre elle est violette. Alors je les ai pas du tout pris payé à ce prix là parce que je les ai eu en promo. Donc ils ont eu 30% bien tassé dessus. Voilà, ensuite les stickles. Vous savez que j'aime bien les stickles et ben là voilà le noir que je n'avais pas encore. Ça c'est quoi? Serantica. Metallic Black, c'est pour faire le mix média que je n'ai pas encore commencé. Donc voilà, pareil, je l'ai eu en promo. De la Glamour Paste Pink et de la Craquelé Paste Blanche pour faire un effet craquelé sur les pochoirs ou ce genre de choses. Pareil, hein, je ferai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai pris du... Oh, vous savez, des petits morceaux métalliques là pour mettre justement sur les comment ça s'appelle, oh là là, j'ai du mal ce soir, sur les moulages, ce genre de choses. Donc voilà, de la ink texture, pâte de texture. Alors celle-là elle est sable, celle-là elle est flocon, sable, flocon, bille et craquelé. Voilà. Donc ça va nous faire des belles constructions. Alors c'est plus pour les pochoirs que j'ai pris pour le coup. Ensuite ça, je l'ai gagné. Ce sont des petits... Attends, c'est celui-là que j'ai gagné ? Ouais, je crois. Ce sont des petits flipboard animaux. C'est trop sympa. Alors, il y a chat, chien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Chat, chien. Super sympa. Alors ça, j'ai gagné parce que il y a tout le temps des lives, en fait, le dimanche. Et à la fin du dimanche, si vous êtes resté ou si vous avez fait une commande, il y a toujours un petit tirage au sort et on gagne des choses. Ça, c'est des images, vous voyez, 1 euro. Ce sont des véhicules anciens. Je vais pouvoir faire un petit album avec ça pour mon fils. Ensuite, la Stampera Allegro. Alors, ça... Ça va avec ça. Donc, ça, c'est de la sculptoline. Donc, ça, c'est simplement de la pâte pour pouvoir faire des mix média. Ça, dedans, il y avait une Allegro. Et il y a un moule. Ça, c'est hyper important. Il y a un moule Zurich. Le Pegasus, il est magnifique. Vous voyez le prix qu'il a. Ça, tout ça. Et il y a... Il y a autre chose. Ah, je sais plus ce que c'était. Mais bien, bonjour. C'est quoi? Tu peux arrêter de crier. C'est le Pegasus, il est arrivé. Et on a... Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Ah non, j'ai pas commandé, c'était gagné. Ah, je sais plus où c'est. On a eu le fameux. Ah non, c'est ça. Je peux parler? Non. La vintage Dark Blue dedans. Et j'ai aussi... On a eu le fameux Pegasus, non? Oui, on a eu le Pegasus, j'ai déjà fait voir. Oh.
Je peux montrer le prochain? Oui, attends deux secondes. Ça, et je crois qu'il y avait... Non, bah il y avait ça. Donc ça, ça vaut 20 euros hein, quand même. Hein. Plus ces deux-là, plus le Pegasus qui est quelque part. Et je crois qu'il y avait aussi ça. Et bah tout ça, c'est un lot que j'ai gagné de Tombola qu'ils ont fait en fin d'année. Et j'ai payé 2 euros le ticket et j'ai gagné tout ça. Donc franchement, topissime. Bravo. Merci. Bah, en fait, elle a pas gagné, elle a quand même choisi. Ensuite, des petits plaisirs d'offrir des rubans. Je peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît. On verra plus tard. Ensuite, alors ça, c'est des petits fils pour pouvoir faire... Différentes couleurs. Ouais, différentes couleurs, des petites constructions. Alors, je les ai eues en promotion. C'est pour ça que je les ai pris. Ainsi qu'un plus gros, comme ceci, qui fait quand même 5 mètres. Hein. Ensuite, un petit pinceau. C'est juste un petit pinceau. Après, de la colle, de la tacky glue de chez Alenis, je crois que ça se dit, de différentes manières. Donc, ça va me permettre de les tester, en fait. Il y a du doré. Quick dry, tacky glue, enfin, il y a plusieurs. Donc, ça, ça a coûté 7 euros. J'ai envie de présenter ça. Ensuite, du fil transparent, ce coup-ci. Oh, waouh, la texture. Bah, c'est du plastique. Je vais présenter. Oh, bah, ça, c'est du... Vas-y. Alors, vas-y. Déjà... Il y a ça. Ça, c'est quoi? Un marqueur. Stylo. Ouais, c'est un marqueur vert. Et je vais vous montrer deux. Vert glitter, hein, avec des paillettes. Oh, la chance. Ah non, attends, c'est pas vert. Si, c'est vert. C'est vert paillettes. Ensuite. Et ça. T'es trop près. Ça, là. C'est voilà, bah, c'est du double tache. Et ça. Voilà, tout simplement ce que j'en avais besoin. Attends. Ensuite, il y avait des promos sur les tampons All and Creed. Donc... Pour Noël, attends. Le père Noël et la mère Noël. Attends, tu vois. Oh, c'est la mère Noël. Jacques et le haricot magique. Oh non. Il est sympa celui-là. Une poupette. Oh, fleur. Oh, c'est quoi ça? Un âne. Un renne. Les rennes pour Noël. Bah, c'est la même. Oh, je connais ce lambeau. Des chats. Miam. Nous, on adore les chats. Ouais. Toi, tu pourras le faire celui-là. Il y en a un là et déjà. Cléopâtre. Il y en a un là déjà. Oui, il y a un chat avec nous. Ensuite. Attends, je vais vous montrer. Oui, vas-y, mais ça c'était pas dedans. Il y a un scotch bleu qui colle encore plus. Oui, que le scotch rouge que vous avez vu. Ensuite, nous avons du Stamperia 1515 Sir Vagabond Aviator. Ensuite, voilà. Nous avons du 15-15 aussi, Oh Boy Crafter Paper, donc vous voyez, c'est des petits dinosaures. On va l'ouvrir celui-là rapidement. Vous voyez, c'est des dinosaures. Donc voilà, ça va faire un petit carnet sympa. Peut-être que je le ferai avec les fameux anneaux, avec ça, par exemple. Voilà. Ensuite... Ça, je l'ai pris parce que j'ai un gros album à faire mariage donc de chez Stamperia. La collection Cozy Winter, il était en promotion en solde. Hein, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est du 20-20. Un magnifique pochoir de chez All and Creed avec des cœurs. C'est le cœur. Donc ça, ça va être bien. Le Desire. Donc le Desire... de chez Stamperia, donc côté tango, hein. Il y a une magnifique vidéo sur le site de Stamperia. Le Blue Dream de chez Stamperia aussi qui vient de sortir. Il est magnifique aussi celui-là. Et alors là, attention les yeux. Alors j'avais demandé aussi, mais ils n'ont pas encore l'A4, mais. Là, le indigo, et ça, je l'attendais avec impatience. Par contre, vu que j'ai pas la 4, j'ai pas beaucoup de feuilles. Le indigo pour pouvoir faire un superbe truc. Un album, ça va être magnifique. Après, j'ai pris un ruban de chez Blue Dream, du Blue Dream. Vous voyez ? Donc ça va être bien. Un chipboard pour la collection cinéma. J'avais fait un très très beau album, un très très bel album ITD avec ça. Et franchement, regardez-le dans mes suivis. Là,
C'est un pochoir musique. Bon, je vais pouvoir m'amuser avec les textures que j'ai. Et enfin, je l'ai pris en solde aussi, les chipboards Cats et Orchid and Cats de chez Stamperia. Voilà, nous y sommes. C'est une sacrée commande. Je me suis bien fait plaisir. Le banquier a moins aimé. Bon, enfin, ça, on le dira pas. Du coup, avec des nouveautés aussi du point de vue mix média, donc on a du boulot, hein. Ça va bien se passer. On se retrouve très très vite pour la suite des événements. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser vos commentaires, à poser vos questions, à demander si vous voulez un lien. Peut-être qu'il y aura une réduction sur la boutique. Enfin, likez, abonnez-vous, etc. etc. Partagez, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, faisons-nous plaisir. À très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et je vous dis bon scrap!